Commence d'abord par la première partie, c'est comment installer le clavier. Voilà. Et la deuxième, ça va être comment taper avec le clavier via ta main. Telex en l'occurrence. Allez, je commence par la première partie. Alors, première étape, vous allez à la pomme en haut à gauche et vous appuyez sur Préférences Système. Deuxième étape, vous allez à Préférences Système, vous choisissez Clavier. Et enfin, vous allez à la petite planète là en bas du téléphone. Et c'est là que vous changez en fait. Quand vous appuyez dessus, ça change de langue. Voilà, tout simplement. Et sur la barre d'espace, vous verrez marqué Tiếng Việt. Voilà. Pour le clavier vietnamien. Tiếng Việt, qui veut dire la langue vietnamienne. Voilà. Et enfin, vous allez voir à côté de le signalement pour Internet et la batterie, vous avez un FR. Eh bien, vous choisissez Telex. Voilà. Et après, quand vous voulez retaper en français, je vous conseille de remettre en français, sinon ça va taper des trucs bizarres. Voilà. Puisque c'est plus le même clavier. Et sur Android, alors il faut d'abord aller à paramètres, ensuite clavier, d'accord? Paramètres, vous entrez clavier dans la barre de recherche, ensuite langue et type, et c'est là que vous choisissez Tiếng Việt, vietnamien, et encore une fois le clavier Telex. Et enfin, vous allez à la petite planète là en bas du téléphone, et c'est là que vous changez en fait. Quand vous appuyez dessus, ça change de langue, voilà tout simplement. Et sur la barre d'espace, vous verrez marqué Tiếng Việt. Voilà. Pour le clavier vietnamien, Tiếng Việt, qui veut dire la langue Et vietnamienne. d'abord, Voilà. on va voir les lettres, hein. Donc, pour les lettres, c'est vraiment c'est simple, hein, parce que si une fois que vous avez mis le clavier Telex, ce que vous faites, c'est toutes les lettres avec un chapeau, d'accord? C'est deux fois la lettre. Mais vous pouvez aussi laisser appuyer sur la touche. Mais sinon, regardez, ah, il faut déjà que je mette le clavier vietnamien. Donc, regardez, O. Si je fais égal, donc je fais deux O d'affilée, tac, et magique, voilà, ça marche. Voilà. Ok. Alors, du coup, dans la même logique, hein, selon la même logique, comment est-ce qu'on peut faire. Oh, par, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là le E avec le chapeau? Bah, tout simple. Il suffit de faire E, et puis un deuxième E juste après. Regardez, là je vais faire. Vous pouvez pas voir mon clavier, hein, mais je fais deux E, et tac, voilà. Là directement, ça fait deux. Deux E, ça fait un E avec un chapeau. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lettre avec le chapeau? Bah, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. C'est évidemment le A chapeau qui se prononce E. Voilà, donc ça, deux à l'affilée. Et voilà, ça fait A chapeau. Il y a une autre lettre aussi, d'ailleurs, parce que je dis voyelle. Donc là, tout d'un coup, ça me rappelle qu'il y a une consonne. C'est D plus D, et ben, est égal à D avec la barre. Tac. Voilà. Donc là, vous les avez toutes. Hein. Les autres lettres que je vais appeler les lettres bizarres. Pour nous francophones, c'est plus facile de s'en souvenir comme ça. Les lettres bizarres, c'est-à-dire les lettres que nous, on n'a pas dans notre alphabet. Par rapport aux voyelles. Alors vous voyez, il y a le A avec la parabole. On l'a pas en français. Et bien ça, donc, ça tombe avec un W. A plus W, c'est égal à A parabole. Une autre lettre qu'on n'a pas dans l'alphabet, c'est le O avec la virgule, comme dans Fa. Et ça, c'est O plus un W. Voilà, est égal à, regardez, hop, hop, voilà. Et il y a le U aussi, avec la petite, le U barbu, comme on dit. Ou la moustache, moi j'appelle ça une petite virgule. À ne pas confondre avec l'accent au point d'interrogation. Voilà. U plus W, voilà, est égal, évidemment. Voilà, c'est mathématique. Hein. Bon, voilà. Là, on a toutes les lettres. Hein. Donc, le A, il n'y a pas le D. Voilà, j'ai oublié de mettre le D. Donc le 1, 1, c'est là avec la parabole ici. 1. C'est A plus W, le O virgule O plus W, U virgule plus W. W pour les lettres étranges. Et les chapeaux, c'est deux fois la lettre. Ok. Maintenant, il manque les tons. Alors, les tons. Le D. Alors, pour les tons, voilà. Alors, vous voyez? Les tons, donc, on les a. Donc, le S, c'est comme sac. Yao sac. Le ton qui monte. Vous voyez, on l'appelle sac, comme un S. Hein, si on pense bête. Le F, ça va être un ton qui descend. Ça fait penser à rien, le F. Mais il n'existe pas en vietnamien. C'est pour ça que c'est utilisé pour faire justement une combinaison. Voilà, parce que sinon, si j'écrivais MAF et que le F existait en vietnamien, MAF, voilà, ça irait pas. Mais là, le F n'existe pas en vietnamien. Et regardez, magique. Si je fais M plus A plus F, eh bien, ça va faire. Regardez, tac, tac, tac. Et voilà, le ton qui descend.
MAS comme S comme sac. M plus A plus S comme sac. Voilà, ça monte. Ensuite, le R. Pensez au R, en fait. Vous voyez, le R, c'est un peu... symétriquement parlant, on pourrait dire que c'est un peu comme un point d'interrogation inversé. Vous voyez, en gros, hein. Bon, bah en tout cas, qu'on soit d'accord ou non, le R, c'est un point d'interrogation. Alors, M plus A plus... j'ai l'impression d'être un prof de maths, là. Voilà, c'est égal à... Enfin, voilà, MA, point d'interrogation. Ensuite, bah, il y a le X qui manque. Alors, pardon, on ne voit pas très bien. Je vais l'enlever. Voilà. Et il manque le X. Alors, et après, je vais vous donner des exercices. M, A, X, voilà. Bah là, je vais mettre le contraire. Non, on va faire comme... Ton, je mets bien... C'est, en fait, on peut le mettre au bon endroit. C'est-à-dire, on écrit et puis on met le ton sur la bonne lettre. Mais quand on ne sait pas sur quelle lettre mettre le ton, c'est pas important, hein, parce que l'endroit où on met le ton. Parce que je rappelle que le ton concerne tout le mot, mais c'est juste une question de formalité. Voilà. Donc, si vous voulez exactement que le ton soit mis au bon endroit, c'est toujours sur une voyelle. C'est toujours, quand il y a un chapeau, c'est toujours sur le chapeau, sur la deuxième voyelle, quand il y en a deux. Voilà. Eh bien, ton à mettre à la fin, ça facilite, parce que ça va le placer le ton exactement au bon endroit. Okay. Et là, regardez. Donc, du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire le C, U, vague, NG? Donc, pour le CUNG avec la vague, eh bien, évidemment que ça va faire C plus U plus un, pas de W, hein, plus un NG, donc, plus le ton. Je le mets à la fin et vous allez voir, ça va le mettre automatiquement sur le U. C-U-N, donc C-U, regardez, C-U, on peut le mettre là maintenant, regardez, vous voyez. Mais je peux aussi écrire C-U-N-G et mettre à la fin X. Et bien, super, C-U-N-G, X, voilà. Alors, du coup, devinez comment on pourrait écrire fa. Allez, si quelqu'un est là, si je ne suis pas tout seul sur le bateau, qu'il fasse signe en disant comment est-ce qu'on peut écrire fa. Manger, voilà, un fa. Boire une soupe fa, manger du fa, voilà. Comment est-ce qu'on écrit ça, là? Alors, je...